entendre Jungelnit in Harlem, suivi de la roulotte. Bon, in English, please. Oh, sorry. The roulotte. Merci, Betty. Réclame. Vous êtes un grand travailleur. Ou une grande travailleuse. Vous êtes un grand sportif. Ou une grande sportive. Dans les deux cas, vos pieds vous font souffrir. Ah, j'ai super mal aux pieds. Grâce à Pédimax, fini les ampoules, les cloques et autres du rayon. Oui, fini les petits bobos aux pieds. Pédimax relaxe, Pédimax détend et Pédimax guérit les pieds cassés. Et les pieds nickelés. Oh, pardon. Pédimax relaxe. Thank you.
s'embrase le jour où je te vis. Et quand s'embrase mon cœur toujours ravi, le jour où je te vis. Nagasaki, suivi de The Day You Come Along, suivi de Doing the New Laudo. Magnifique, n'est-ce pas, Betty? Oui. Et maintenant, pour votre plaisir, cher public, nos amis suisses ont fait appel à deux guest stars. Il s'agit de messieurs Jean-François Bonnel et René Hagemann. Ta-da-da-dum!
Et dites-moi, Betty. Oui. Vous qui avez un accent anglais réprochable, savez-vous me traduire une planche à lessive? Oui, of course. Lessive punch. Comment dites-vous, Betty? Lessive planche. Eh bien, pas tout à fait, Betty. Une planche à lessive se dit un washboard. Et c'est d'ailleurs avec cet instrument qu'Olivier Clerc va nous interpréter le morceau suivant, Ozark Mountain Blues. Washboard, n'est-ce pas, Betty? Olivier Clerc, magnifique, n'est-ce pas, Clerc?